Après une formation qui a duré 8 mois en matière de traitement de délinquants, 13 femmes basées à la prison centrale ont obtenu leur attestation. Certaines d'entre elles intégreront la Correctional and Emergency Response Team. 6 s'envoleront bientôt en Australie pour une formation plus poussée. Exposées au traitement des délinquants, ces 13 femmes ont aussi été formées au combat à main nue et à la gestion des détenus à haut risque. Il est d'ailleurs convenu que quelques-unes d'entre elles intègrent la Correctional and Emergency Response Team de la prison. Dans toutes les organisations, il doit y avoir une équipe susceptible d'intervenir en cas de mutinerie et de désordre, a déclaré Jean Bruno, commissaire des prisons, lors de la remise des certificats. Dans toute organisation, nous avons une équipe qui est capable d'intervenir en cas de énormément de troubles, de mutinerie, de désordre. C'est pourquoi qu'il nous forme une équipe qui, avec l'aide de la SMF, veut entraîner, veut tenir une formation physique, qui sont capables d'intervenir dans n'importe quel type de situation. Et là, nous passons à une étape supérieure que nous pouvons intégrer aussi, madame, que nous aussi, s'il y a une intervention pour faire dans la prison des femmes, je suis équipé pour ça. Une intervention périlleuse, des fois, hein? Des fois, mais bon, c'est un risque qu'ils ont accepté. Et bon, on a le nombre de doutes qu'avec l'entraînement qu'ils ont gagné, ils vont être à la hauteur de leurs responsabilités.